de Jésus, il y en a joie, il y en a grâce. Encore pour me prêcher la parole de Dieu. Et pour moi, vous bien monter au fil de Dieu. Relâcher tomber même ça sur une église. Moi, mon début de matin, en fait, Benita, moi, j'ai pensé pour une histoire, même si je viens. Mais dès lundi, commence à demander la cuisine, dès lundi, commence à faire ici, par là, mon visage fait plus. Avant même pour se donner dans le canal, chez les loups. Alors, quand je dis, c'est le relâcher que Dieu te fait une blague, pas un passage, bon Dieu, bon, la casa me voulait voler. Bon Dieu, les vues de l'équipe. Amen. Et sur le thème du Seigneur Jésus, moi je te remercie pour sa souris la pluie qui est tombée, qui arrose le pays, qui remplit nos réservoirs. Merci Seigneur. Mort et fils, bonheur. Mort et fils, accident. Mort et fils, diabète. Mort et fils, cancer. Mort et fils, cauchemar. Dans le nom de Jésus, mon commande. Vos pensées, vos équerres, vos attitudes, bien captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Qui a mis à l'église bientôt, jeunesse 40 et 28? Voilà, Jean, vous retournez vos poches. Qui a mis à jeunesse 31 et 41? Voilà, paix pour 8, 10, 3, 10. Qui a mis à jeunesse 50 verset 20? C'est qui toi que le pensée dit mal pour faire moi? Bon Dieu, il donne ça pour maudit bien. Qui l'a dit à Genèse 33, verset 9? Garde ce qui est pour toi, mon frère. Qui l'a dit à Genèse 33, verset 11? Dieu, il comble les mois de grâce, n'en rien ne pas manquer. Qui l'a dit à Nom 23, 23? Ni la sorcellerie, ni la divination, pas capable doucement. Qui l'a dit à des apôtres 28, verset 18? Mon pas frère, n'en rien qui mérite l'amour. Ah, nous disons ça bien pour ceux qui peuvent nous l'internet, j'ai dit tout maintenant qui mérite l'amour. 1, 2, 3. Je ne pas faire l'ennier qui mérite l'amour. Je ne pas faire qui mérite l'amour. Amen. Alors, si vous pouvez écouter moi, on fait que mettre moi dans l'auto, on peut retourner à la case, on peut aller au travail. Bonne route. Et merci, on peut mettre moi à cause avec vous. Ça veut dire pas tout seul dans l'auto, pas tout seul dans le salon. Moi, je cause avec vous là. Et en esprit, nous haine. Je dis gloire à Dieu. Ça, c'est mon peut-être troisième message, nos paroles. Nous commençons à faire un message, comment nous avons dans nos paroles. Au fait, je vais proposer un autre message concernant bon Dieu, il rachète nous. Qui ça veut dire rachat? Qui ça veut dire bon Dieu, il rachète nous? Et là, bon Dieu, il rachète moi la semaine. Je dis, non. Quand je commence à étudier le Nouveau Testament, j'ai envie de connaître le Nouveau Testament, comment il démarre en parole. Toute sa parole, il tient une grande importance dans le Nouveau Testament. Et la maintenant, qui sait ce que le Seigneur fait, montrez-moi. Benita, tu as un micro, tu ne peux pas lire un verset au fur et à mesure que je vais vous dire. Matthieu 1, verset 20. Tu es capable de projeter Matthieu 1, verset 20, s'il vous plaît. I am never late. Tu allais me prêcher l'église pour lui. I am never late. Le deuxième, I am never late. I am never late. Alors, quand on prend la pluie, vous êtes content, vous êtes mettre jaquette vini, mettre casquette vini. Protégez-vous contre la fienza, contre la fille. Protégez-vous. Alléluia. Matthieu 1, verset 20. Pendant que Joseph, tu peux pas lire, s'il te plaît? Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre à arrête, arrête la main. Ça, c'est un des 21 versets dans le Nouveau Testament que nous pouvons trouver, parole de cette série. Le Nouveau Testament, c'est un des 21 places là. Quand un dieu peut causer, quelqu'un peut causer, là c'était un ange qui causait, mais parole qui nous donnait de l'atmosphère. Et première parole que le ciel dit à la terre dans le Nouveau Testament, c'est la voix de cette prière. Rien ça, rien ça, rien ça vous plaît, que ne crains pas ou bien ne crains pas. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, la femme. Nous, Nouveau Testament, nous, Nouveau, l'Alliance, nous, l'Alliance, nous, Nouveau, nous, la foi, nous. La chrétienté est basée sur une chose qui est chère de dire. N'a pas besoin de perdre. Je vous disais juste en France, je vous disais pour moi bientôt, pas besoin de perdre. L'examen est fini. Pas besoin de perdre. Vous avez fait une interview. Pas besoin de perdre. Dès lors, partout le séminaire, on peut rouler pour le temps, on peut venir sur le soin de l'église. Pas besoin de perdre. L'orage, l'orage à soi quand je vais dans mon mancer. Pas besoin de perdre. Nous devons faire 130 brillants. Qui arrive ici des du monde, mais parce qu'il y a besoin de faire. Pas besoin de perdre.
Virus, coronavirus, virus partout, qui nous a fait? Beaucoup ça fait faire nos PA. Ça que dit si vous demandez écrire une petite chose qui fait aucun PA, nous avons la liste qui fait une petite chose qui fait aucun PA. Mais le Nouveau Testament est démarré. Bon, ça s'appelle qu'après le n'a pas besoin d'un PA. Puisque le moment du monde est PA, ça peut être accès, contrôlé, manipulé, de rentrer là. N'a pas besoin d'un PA. N'a pas besoin d'un PA. Rilial, c'est là, s'il te plaît. Il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant vient. Chambre la même. Papa, on est pour mes autres qui sont là, qui vous priez, bon Dieu, une demande, bon Dieu. Seigneur, moi, une jeune, vous avez pris une décision pour marier là. Papa, vous connaissez qui vous avez pris une décision là, Seigneur, qui vous avez fait là, ce qui s'est dit, vous avez marier. Demande parole. Car bon Dieu, plus qu'aujourd'hui là. Pas besoin de faire, vous prenez, en place Marie, vous mettez sa petite fille là, ce nom, vous mettez sa gorge là, ce nom. Moi, deux femmes pour moi. Laisse sa parole là, vivre vivant, pour être l'église. Bon, j'ai le cousin. Rédiez ça par hasard? Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Juste après la libadienne, nous rappelle lire Jésus. Qui verset lit là? Voilà, voilà, verset 21. Il y a verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui. Je veux la même, je veux la même. Les cieux viennent dire, nous rappelle ces enfants-là Jésus. Les cieux ont un langage, les cieux ont une parole, les cieux ont une façon comment ils appellent. Les cieux viennent dire, Dieu viennent dire une façon comment ils appellent ces enfants-là. Comment ils appellent? Jésus. Est-ce qu'il y a le droit appelé Ashmin? Est-ce qu'il y a le droit appelé Pierre? Est-ce qu'il y a le droit appelé Moustapha? Si les cieux indiens vous appellent Jésus, comment vous appelez alors? Regardez verset 25. Regardez ça, chapitre 4 qui est fini. Les cieux indiens vous appellent Jésus, verset 25. Regardez chapitre 4 qui est fini. Mais il ne la connaît point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Qui nous a donné? Ce qui nous donne Jésus, c'est nous disons qu'on dresse nous la langue. Nous disons qu'on dresse nous langage. Si les chrétiens ne nous causent comme ça, nous disons qu'on comme ça même. Nous ne sommes pas chrétiens, nous causons langage la foi. Nous ne pouvons pas causer ça qu'à des langages, ça y est, nous pouvons manger les fois. Ça y est, les gens qui cassent. Ça y est, on peut mourir comme ça même. Ça y est, on est plus capable. Pas ça, langage, ça ne s'est pas causé. Ça y est, on peut gagner un père. Attention, ça arrive, moi. C'est pas ça, langage, ça qui est l'échelle de Dieu nous causer. L'échelle de Dieu nous cause un langage. Mon père fait tout pour celui qui me fortifie. Celui qui demande plus grand que celui qui est dans le monde. Rien d'impossible à celui qui croit. Mon la tête, mon père, la tête, mon premier, mon père, dernier. Ça, c'est langage qui est l'échelle de Dieu nous. Mais quand les cieux ne disent pas de vous appeler Jésus, pas de vous appeler Jésus. Si vous avez dit que vous avez levé dans la matinée, ça dimanche, ça comment a été? Quel dimanche? Les cieux, pour moi, ils ne disent pas de vous appeler cette journée-là. C'est la journée que le Seigneur peut faire. Ça, vous comprenez ce que vous pouvez dire? Il y a un grand dressage qui vous a dressé avec la langue et avec la bouche. Il y a un grand ajustement qui vous a arrivé pour faire l'océan. Les chiens déclarent des petites choses comme ça, nous appelons comme ça. Quand les chiens. Touchant, viens, assiste-toi là. Laisse ça dans toi, assiste-toi là. Assieds-moi. Si les chiens disent, par exemple, adultère, coquin, cause mentir, pas bon. Est-ce qu'ils nous appellent ça pour nous? Si les chiens disent, nous appelons comme ça, pour nous appeler. Nous appelons. Rélia Sapaza, on lui appelle là. Mon frère, monsieur, il y a l'importance de tout qu'il a. Je t'ai envie de guérir plus vite, veille bien le jeu de langage. Je t'ai envie de chercher un problème plus vite, veille bien le jeu de langage. Chaque fois qu'on vient de l'église, chaque fois qu'on écoute un message, nous pouvons gagner une façon, comme ça, nous utilisons le temps. Nos langages ajustés. Chaque fois qu'on écoute un message, chaque fois qu'on lit la Bible, laisse mon Dieu corriger de manière positive nos langages. Je te dis, gloire à Dieu.
Alors concernant le mariage, ou la santé, ou l'éducation, ou la case, ou les enfants, même ou l'église, même au ministère, n'a pas dire, je vais aller faire cellule là-bas, il y a des gens, je vais aller même faire cellule, ben des gens de cellule là, n'a pas essayé. Pas cause comme ça. Dieu travaille mon amène, il bénit. Travaille mon amène, il bénit. Mon arrivée, mon départ, il bénit. Dresse ou langage, tout le monde fait au ciel. J'ai dit cause, langage du ciel. Allez, bébé, faut. Cause en cas qui vont changer ton cousin. Ok. Nous quittons Matthieu 1, verset 22. Tout cela est arrivé pour qu'il accomplisse ce que le Seigneur t'a fini dire d'avance pour ban prophète. Tout cela, il prend place. Tout ça, dans la fin, est arrivé. Jésus connaît d'un vierge, Jésus connaît à Bethléem. Tout ce qui est arrivé. La Bible dit bon Dieu, tu finis dire. Alors, c'est pour ce que vous dites, Jésus. Beaucoup passent par derrière dans la Bible. Bon Dieu, tu finis causer. Beaucoup générations avant. Et les affaires, bon Dieu, tu finis dire. Et les paroles, tu finis déclarer. Même quand passe à la Bible, insensé, dans le chapitre insensé, testament insensé, générations passées, les paroles ne viennent pas. Qu'est-ce qu'on me dit comme ça? C'est diversité là. Tu commences cause dans le bon qui sort de ta famille, de tes enfants. Sa parole qui te déclarait dans l'atmosphère astéra. Capable d'arriver beaucoup l'année après, capable d'arriver beaucoup jour après, capable, c'est qu'il te dit qu'on arrive tes enfants de bon, mais après là, on arrive un an qui vient de deux générations. C'est diversité là, tu commences à être mauvais enfants pour une ministre un jour. Capable physiquement de voir tous tes enfants, direct tes enfants, tes premiers child, ville ministre. Mais puisque tu déclares greatness in your child, dans tes générations dans le après, vous vite si tu devais prononcer ce terme. À quoi ça, il est important de réaliser qu'il est capable ou en bas, elle est un sortilège, en bas, un saut, en bas, une mauvaise parole qui va enceindre une cause. Pareil pour moi, où c'est qu'ils ont déclaré ici, il y a une vraie, une génération qui peut venir, il se peut qu'ils trouvent une victime, qu'on trouve un lock dans une parole qui va être grand. Quand tu voulais faire un service, c'est ça qui veut là. Quand tu voulais faire une alliance, un pacte, elle veut, avec sa religion là, avec sa service là, avec sa idée là, avec sa place là, quand tu dis à toutes vos générations pour venir là, quand tu dis à tout le monde, grand garçon, vraiment. Quand il dit à sa main prend ça, vous avez connaissé sa parole là? Mesdames et messieurs, le Seigneur Jésus, tout va comment? Que le grand du monde, dans nos familles, tu prononces, ma mauvaise parole, ma parole, la guine, mon fil, ma l'air, malédiction, mon brise tout, dans le nom de Jésus. Assez à la même, mon météo, tout va l'effet de sa main parole là. Pour libérer moi-même, au nom de Jésus. Quand on trouvait génération après génération, grand-mère qui divorcée, qui m'a eu un coup, maman divorcée, m'a eu un coup, les enfants qui divorcée, puis m'a eu un coup. Qui c'est ça? Vous arrêtez sa malédiction là. Quand on dit de grand-père, son frère qui perdit, pas de sur l'écho, papa, son cousin perdit, pas de sur l'écho, vous arrêtez ça pour que vos enfants ne perdent pas. Vous avez qu'on arrêté, mon frère, monsieur. Dans les bonnes familles, autant dire, un Dieu qui met bandit dans ta famille là, le talent met bandit encore, quand vous savez descendre dans la famille, puis prendre l'ampleur. Vous arrêtez ça dans le nom de Jésus. Oui. Est-ce que le peuple de Dieu l'amène? Oui. Qu'on veille bien aux bonnes paroles qu'il peut prononcer. Le Dieu, amen, amen. Alors, nous regardons ça verset 22, là, Matthieu 1, verset 22. Il y a des motifs? Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Maintenant, vous avez dit, je vous dis un affaire ici. Il y a beaucoup d'affaires, bon Dieu, Dieu de toute la vie. Moi, c'est que Seigneur, fidèlement, tout ce qui est bon Dieu prononcé dans ton vie, vous vivrez dans ton vie. Mais si tu connais un verset dans la Bible qui dit parole bon Dieu, pas rien voir et tout le code bon Dieu sans qu'il y fasse ce travail de la terre. Amen. Moi, je vais donner un exemple. Quand tu n'as pas fait sport, n'importe comment tu fais coller, n'importe comment tu fais sport, mon lien dans la Bible me dit la tête, mon pas la queue, mon premier, mon pas dernier. La Bible me dit ça. C'est une parole qui bon Dieu déclarait des arrivées dans mon vie. Alors, quand mon va lever, mon vient médaille. À la maison chez moi, on a 38 médailles. Mais nous avons calculé un sport, c'est parti dans 8 activités là-dedans, on a 5 médailles là pour ça jour-là.
qui fait ces paroles qui vont dire, c'est une vraie. Je vais rouler dans la pluie, je vais rouler en soir, mais la Bible me dit que l'arrivée de l'école, il vient, il va faire un accident. Il me dit que l'arrivée de l'école, on dit le prononçant. Et le verset de la Bible dit, les rois vous sortir, il vient voler. Mettez la main de tous les reins. Dis au nom de Jésus, vous confessez, les rois vous sortir, les vies dans les reins. En les rois vous sortir, les vies dans les reins. Nous ne pensons pas pour régner dans la vie. Nous ne pensons pas pour une esclave, pas pour une victime. Nous ne pensons pas pour régner dans la circonstance. Je peux régner dans la sorcellerie, je peux régner dans la jalousie. Est-ce qu'il va déjà la même? Et il y a une parole, bon Dieu, prononcée, de pour vivre longtemps en bonne santé. Mais parole, c'est une prière de la vie. Quand bon Dieu fait arroser, là, si tu as envie de mouiller, il ne peut pas arroser. N'apparaît ça, par exemple, dans bon Dieu, arrose-moi là-bas. Non, arroser, si tu. Être dans le plan de Dieu, être là que bon Dieu dit à toi, automatiquement, on peut arroser la parole pour accomplir dans toute la vie. Le Dieu, gloire à Dieu. Et dans ce verset qui dit, toi et ta famille sera sauvée. Toi et ta famille pour connaître Jésus. Ça veut dire cela, mais ça vient vrai de toute la vie. Dans ma famille, tu n'as moi, mon maman, mon frère, mon soeur, qui tu pas à l'église. Mon papa, tu encore dans le cœur Jésus. Mais tu passes par la persécution à travers mon papa. Mais mon God, ça veut dire la Bible, bien dans mon cœur. Moi et mon famille pour connaître Jésus. Et arrivé, mon papa, dans le cœur Jésus, sur la vie transformée, dans les films, dans les voies. Et lorsque ma besoin que le ciel commence à le couvrir, pour nettoyer l'église, nettoyer la cour de l'église, l'église pénitente. Vous savez, verset qui me tient dans la Bible, disait qu'il prie. Si un chrétien est bien, tu peux encore rouler un travail, il y a 10 interviews, tu vas aller te voir pour un travail, relève verset de la Bible. Relève verset de la Bible. Est-ce que je me comprends ce qu'ils m'ont dit? Nous, un chrétien, quand on commence une construction, la Bible dit celui qui range un nouveau Jérusalem, c'est Dieu, the architect and the builder of Jérusalem is God. Ça veut dire que Dieu est capable de l'architecte de mon avis, il est capable de ranger la case. Nous, quand on croit le Seigneur Jésus, nous la case pas un droit à quoi, non, comment tu veux le dire? Ne pas qu'elle arrête au but, que la case n'arrête au but ou non, pour Dieu, pas celui qui est là pour le CR. Ne la casse pas qu'elle arrête au but, ne la casse pas qu'elle arrête toute l'arrêté. Là, on se livre, c'est qui nous dit dans la Bible. Je te dis amen, amen. Matthieu 2, verset 2, vas-y. Et Dieu, où est le roi des Juifs qui vient de l'Est? Quand nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode. Ayant appris cela, il pouvait tout Jérusalem avec lui. Écoute ça. Ça qui me dit là. Les trois marches, ou bien les trois sages, en anglais c'est the wise men. Écoute ça, c'est là. A man of wisdom. Quand il causait, quand quelque chose arrivait. A man of wisdom will speak wise things. Ok? Maintenant, de toute cette histoire là, Jésus connaît là. Trois marches, une sortie bien loin, une bénie, quoi d'autre, Jésus. Mais là, ce qui est intéressant, quand une causée, quand une causée qui run, le verset 3, qui est arrivé quand une causée? Trois qui est une causée, c'est là qu'il tremblait. Le roi Hérode, qui partit en plein respect pour mon Dieu, il tremblait. Jérusalem entier, il tremblait. Vous faites moi croire aux paroles, mais dans l'importance. Ça veut pour moi la cause parole là. Parole qui prononçait avec sagesse. Parole qui prononçait sous l'onction. Parole qui prononçait. Capable de faire le diable trembler, capable de faire ma circonstance, ma institution trembler, mon frère Moussia. Parole. Zis pas. La Bible pas dit ça trois dimensions, tu es avec bombe dans une jacket. Je vais dire devant un film indien, mais bombe dans une jacket. Ben, dire, montre-moi que Jésus, si ce pas montre-moi mon bleu everywhere là. Je vais pas partout là. Est-ce que c'est ça qui m'a dit faire? Non. C'est pas pour la guerre qui vous parle de mot tremblé pour commencer à voir parole. Son chien n'a pas poupé à côté de la guerre, les poupées à voir parole qui te tient dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors nous regardons ça. Premièrement, numéro 1, wise man has word. Et qu'est-ce que ça leur cahier? Wise man has word, but not sword. Ah ça, ça veut dire sword. L'épée, ça veut dire word. Parole. Un démon sage, il y a la parole. Il ne va pas commencer avec l'épée, couteau, tchakou. Le tchakou. Vous savez, tout il y a des mains sage. Des mains enfants sages. Des mains travailler sage. Laisse parole bon Dieu rempli. Quand on prononce une bonne parole, devant différentes circonstances dans la vie. Ok. Numéro D. Word spoken with wisdom can shake earthly kings and kingdoms. Parole que vous prononcez, capable de faire un territoire trembler.
prenons une parole, mon frère Moïse. Prenons une bonne parole. Conservez vos paroles. Troisième petite chose, ça est bien intéressant. Abishai, ça trois dimoula quand une sortie, from the east, une sortie de l'est, d'accord. Quand une sortie de l'est, est-ce qu'il va même prononcer parole depuis dans l'est? Là, quand tu es bien, pour quel endroit du pays? Est-ce qu'il est dans un pays, je prononce parole, ou bien je fais ces mots qui visent pas connaître combien de jours, je marche pour venir à Jérusalem. Après, je prononce parole dans l'endroit là. Réponds-moi, Michel. Je marche pour venir dans l'endroit là, je prononce parole. Écoute bien ce qu'il va vous dire. Quelque chose arrivé quand on prononce parole dans l'endroit qui visait, dans la place qui visait, dans la salle qui visait. Maintenant, je connais la fausse parole, mais je ne vais pas dire parole là depuis le matin, tu vas parole. Je ne vais pas parole là depuis le la bonne. Je ne vais pas dire que après ça, il faut dire ce qu'on va faire. Souvent, moi, je téléphone moi. Souvent, quand je vous téléphone moi, même depuis les autres pays, c'est une seule dernière fois qu'il a tourné Turquie. Turquie, mais Italie. Pourquoi Turquie? Avec ce monsieur, avec ses enfants. Seulement, il est intimataire, mais les intimataires. Michel a trouvé la cour depuis 3 ans, c'est pas comme une danse, mais vous êtes sur les cours. Ça, c'est un cas. Tout de suite, vous commencez à prier, vous voyez, vous commencez à dire, répétez la prière. Écoutez-moi bien. Mon papa, pourquoi pas moi, vous avez dit, on l'a sang, vous venez de prononcer parole pour venir régler des situations comme toi. Souvent, quand on prend le téléphone, on pose avec toi. Quand on fait toi, répétez la prière, là, quand tu étais, mon père, on fait de la bouche posée. Ensuite, une parole-là, vous êtes prononcé à the right place. C'est ça que vous voulez dire là? Parole là, vous êtes prononcé là quand le problème a été. Pourquoi pas le parent? Si je ne sens pas désobéir, désobéir. Par contre, si je suis dans la prison de prier pour licencier, rentre sur la sang, prononce vos paroles dans le nom de Jésus. Il va faire la première, il 14, halte sur la sang, halte au libère des voix, pose, amène-le sur la table là. Be at the right place et prononce parole là dans le nom de Jésus. Souvent, les arrivants qui viennent, ils vont passer, on va à l'ICU, on va prier pour le week-end. Moi, j'ai dit, allez, on va te rendre à l'ICU, tu téléphones-moi. Ils rentrent à l'ICU, tu téléphones-moi. Moi, j'ai dit, répète ce qu'ils m'ont dit, qui fait? Vous êtes prononce parole-là dans l'ICU, là, là, que ça fait, elle a été. Là-bas, vous êtes prononce parole-là. Quand tu as un cyclone dans la mer, Jésus dit le montagne, la courbe, la courbe. Je dis, c'est ça la dernière fois. Est-ce qu'il est vu le montagne? Jésus dit, oh, cyclone, va, ton cyclone, va, cyclone. Est-ce que c'est ça que Jésus fait? Non! Jésus marche dans ce cyclone-là, il a leur place qui vient là, il prononce parole là-bas, et c'est le matin. Quand tu m'as dit posséder comme un démon, tu dors s'y dire. Est-ce que Jésus est dans le temple, il prononce une parole, que tu vas délivrer dans ce dire? Que Jésus fait? Il a le temps s'y dire, que tu m'as dit, il délivre en parole. Quand la force qui est non, dans la parole qui te prononce, quand matin, mon content, on travaille pour dire. Comme on travaille, venez vous bénir, vous anticipez. Je ne sais pas comment vous commence à bénir sa pierre là, vous commencez à bénir vos places, vous commencez à bénir la table, vous bénir sa place. Prononce parole à the place qui vient, dans la place qui vient. Parce que vous avez d'avion à prier pour te corriger. Ouais, vous pouvez prier pour te corriger. Mais quand on rentre d'avion là, comme dit, bon, je te prends des avions là, parole là, vous êtes prononcé là que tu étais. Parce que vous avez une interview, parce que vous avez des places, qui vient? Par exemple, hier, il y a un ami de la case, un tipi. Dans l'église, papa Dieu, tu vas t'envoyer depuis mon point de vue. Non, tu n'as là-bas, le Seigneur m'a rendu la grâce, tu es là pour un million là. Et je passe un bon moment, qui fait parole là, qui s'est prononcée là, quand tu étais. Là, quand ça fait là, était mon frère, mon sœur. À vous, ça, quand les gens disent, ils vont dire, mais c'est pour moi, ils vont même la prière. Oui, parole là, qui s'est sortie, même quand tu l'as aussi fait, il y a une place qui était là-bas. Est-ce qu'il y a assez d'exemples? Je ne comprends ce qu'il m'a dit. Ok. Merci Seigneur, merci Jésus. Do not be afraid to come at the right place. N'a pas besoin de faire la place qui vient, la côte vient. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Quatrième. Ouais, ça m'a fini déjà. Maintenant, je t'assieds en tant qu'enfant de Dieu quand je viens d'église, quand du monde me la prière. N'a pas dit prier pour du monde, n'a pas dit ouais, pour prier pour toi. Même pas de téléphone, n'importe comment. Quand je dis du monde, répète. La prière après moi. Faites du moulin, répète la prière. Laissez-y déclarer une petite chose, pas sur la bouche, la côté. Ok. Cinquième petite chose qui est intéressante alors, maintenant, j'ai une venue pour adorer. Sous l'exemple là, j'ai dit un sage, un dia, une venue pour adorer. Qu'est-ce que tu viens faire? Un peu fort l'église, qu'est-ce que tu viens faire? Un petit peu plus fort qu'ils font? Un petit peu plus fort qu'ils font? Qu'ils font? Une venue pour adorer. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Un élément principal, core, fondamental de l'adoration, c'est parole.
Si nous étudions la musique là, si nous n'avons pas la musique, nous n'avons pas spotlight, la fumée sorti, il va être concert. Ingrédient qui besoin de l'adoration, c'est word. Wise men came, they spoke word, and they said, we have come to worship. Comme là, tu sorti depuis dans la mer rouge, Myriam qui t'y fait. Myriam, tu prends ton bourrin, que tout ton bourrin était. Myriam, tu prends ton bourrin. Devant tout le peuple, tu commences à adorer bon Dieu. Et c'est la parole qui est sortie dans la bouche. Et tu commences à la parole. Après ça, il y a besoin de nous chanter en langue. Après ça, on va nous chanter. Comme une parole dans le cantique qui nous veut chanter. Parole est importante dans notre adoration. Mais d'accord, parfois on pleure dans l'adoration, on l'homme coulé. Gloire à Dieu, l'homme coulé dans l'adoration. Gloire à Dieu, il est bien touché. Gloire à Dieu, il est passé nous. Gloire à Dieu, il est obligé. Tout ça est important. Mais c'est la parole. La bouche nous revient quand on adore bon Dieu. Le deuxième, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous quittons dans verset 2, chapitre 2, verset 3. Vas-y, motivé. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et du Jérusalem avec lui. Ah, avant ça, laisse-moi dire une affaire. Hein? Dis-moi, moi, pas causé. Peine à la fausse, quand dis-moi, il finit mot sur parole. Peine à la fausse, le salatéra. Dis-moi, qui mot sur parole, peine à la fausse, le salatéra. Je vais donner un simple exemple. Si moi, je vais dans la case, je vais mettre l'eau dans la case, et je vais dire un autre pays, il va mettre l'eau dans Maurice, moi, je vais me dire, il est capable, le ministre est capable, n'importe qui, il était dans ce pays, il n'y a plus aucun droit, il n'y a plus aucun droit, l'autorité, pour lui mettre l'eau ici. Et je vais dire un petit mot, il n'y a plus rien à faire pour la terre, il n'y a plus aucun droit. C'est dans le vivant de la terre qui est notre droit, qui disait. Vu que nous vivons, on nous servit de parole bien. On nous servit de parole bien. Chapitre 2, verset 3, qui dit-il? Le roi Hérode, ayant pris cela, fut troublé et Jérusalem avec lui. Extraordinaire. Jusqu'à Hérode entend ça, Hérode tremblait, Hérode a peur. Rien que vous comprenez, Jésus dit cause de ta montagne, cause de ta montagne, cause de ta montagne, allez, cause de ton problème, cause de ta maladie, cause de ta circonstance, cause de ta circonstance. Causez, laissez déraciner, laissez tomber les bizarres, allez dans le nom de Jésus. Causez toutes circonstances. Tout le monde de force. J'ai dit tout montagne, un peu plus faux. J'ai dit tout montagne, vous êtes en tout la voie. J'ai dit tout montagne, vous êtes en tout la voie. N'a pas n'est qu'attendre pour pasteur pour une cause avec mon divan. Pasteur pour une cause avec mon cyclone. Non. Causez que tempête, causez que situation. Sorry, pas pour toi ça. Qui est-ce qui rentre? Causez que situation là. Il ne faut pas dire tout maladie, maladie là, pas pour toi ça. Causez que maladie là, causez que douleur la tête là, causez que problème ventre là. Je te dis amen, amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Servis tes paroles dans le nom de Jésus. Guide verset 4, tu as lu verset 4? Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Avant, hein? Je connais qui fait parfois quand nous prions pour un démon qui possédait dans un démon, quand nous prions pour lui, quand nous disons la Bible, quand nous disons verset la Bible, qui fait les crier, qui fait un démon là qui y allait dans lui, parce qu'il y a un démon pas capable d'entendre la parole de Dieu. Allez, nous prions verset, Jésus dit ça, c'est un démon pour sa parole. Démon va caresser la présence de Dieu. À vous, ça remplit la case et pour la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu, soyez. Vous pouvez goûter, vous pouvez goûter, laissez-y, soyez. Remplis le thé par la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu envahir l'atmosphère dans la case. Démon va capable de tenir la parole de Dieu. Démon va capable de tenir la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alors, Matthieu chapitre 2, verset 4. Alors, Hérode, qu'il fait? Hérode, il rassemble tout sur un homme sage. Et les démons de tout, quand ça le Christ bisanné. Et verset 5, qui va la faire? Va la répondre? Et verset 5. Il lui dit à Bethléem en Judée, comme voici ce qui a été écrit par le prophète. Écoute ça, hein? Ça, c'est intéressant. Nous avons un démon sage. Maintenant, tu connais que Jésus pour nous. Et maintenant, tu viens pour adorer. Maintenant, tu es sincère. Mais nous avons un démon, je tiens sa même information là, mais il est intellectuel. Un scribe. Qui nous dit ici là? Moi, je suis là-haut. Verset 4. Manuscrit. Manuscrit, c'était un démon éduqué. Juste pour fouiller, pour lire la Bible littérale. Mais écoute ça. Nous avons deux groupes du monde. Nous avons un groupe du monde qui s'appelle Manuscrit. Maintenant, tu connais qui la Bible vient dire. Maintenant, tu connais que ça, Jésus visait. Après, tu as fait la même. Mais par contre, tu as un démon sage. Maintenant, si tu connais que Jésus visait, mais c'est moi, je viens pour le bénéfice de Dieu. Tu vois la différence? Il ne faut pas nous connaître la parole de Dieu dans la tête. We should move from head knowledge to experience. Nous ne pouvons pas dire que nous connaissons la Bible qui dit par les mains de Jésus, nous sommes guéris.
verset la Bible, on considère tout la tête intellectuelle. Tu as une expérience avec ça, quand tu mets des choses, on dirait. Tu n'as pas qu'à dire verset la Bible, mon soirée est béni. La Bible dit soirée, ma juste est béni, ma juste, mon soirée est béni. Tu as expérimenté mon soirée est béni. Tu n'as pas qu'à dire mon bon Dieu est grand bon Dieu. Mais quand il y a un grand bon Dieu, tu fais commérance, tu fais cinéma, tu fais péché? Non! Quand il y a un grand bon Dieu, tu prie, tu ne pas connaître un grand bon Dieu, tu ne pas qu'à dire dans cette situation-là? Et une grande une partie d'un chrétien, je ne stocke, je n'arrête pas à ce niveau pour un scribe là. Nous connaissons beaucoup la Bible, nous connaissons beaucoup verser la Bible, mais les idées de beaucoup la tête. Il ne va pas être toi de chaque jour, il ne va pas être toi. Genèse 42, 28, vous ne pouvez pas les verser la Bible qui ne veut pas dire ça pour rien. Dis-le, confessez, prophétisez, déclarez-le, mon frère, mon sœur. Est-ce que vous avez déjà la même? We need to move, nous devons sortir juste depuis head knowledge. We need to have practical knowledge. Jésus dit, allez partout pour savoir la nouvelle. Moi, j'ai appelé quand même pour faire service jeudi. Je trouve un petit monde sur le dos. Il mettait des stickers. God save you. Mon fils connaît un chrétien. Alors, pour mes enfants, j'ai dit, écoute, comment c'est ça? Le chrétien, où l'église va aller? Il y a l'église assemblée de Dieu, mon tida. J'avais une nouvelle, je commence à préciser l'évangile, je commence à apporter ma révélation, une bénie, je donne l'exemple. Hey, c'est un petit peu, on va vous savoir l'église pour moi. Portage l'évangile, mon frère, mon sœur. Je dis, j'ai gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous guettons verset 8. Tu peux guettons verset 8 s'il te plaît? Oui, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même la vie. Écoute ça. Hérode, il va d'accord, il va être content, Jésus est né, il va dire le roi, le beau roi né, il va pas d'accord, il n'est pas content à lui. Alors qu'il dit, allez, je vous dis, bien que ça l'aimé, et je finis, quand je finis, je finis, Qu'est-ce que c'est ça? Un gros mensonge. Premier mensonge qui est là dans le Nouveau Testament, recorded. Comment ça recorded la théorie? Enregistrer, écrire. Allez, la première mensonge qui est là. Premier mensonge qui est noté dans la Bible, dans le Nouveau Testament, premier mensonge, c'est ici, là, il cause mentir. Qui mentit, il cause à Juna? Sans c'est au pas l'adorer. Comment connais que tu étais un ou pas l'adorer moi? Et premièrement, sans moi, tu étais en parole encore. Mon gars, cause mentir en action où? Qui veut faire passer mon cause mentir là? Non, il va pas passer comme ça. Mentir, comment causer? Quand on va mentir, comment se dirige? On peut étudier le Nouveau Testament et sa qualité vigilante. Moi-même, on est tellement béni. Alors, tout le monde se prend qu'il a. N'a pas cause mentir, n'a pas servi de parole pour cause mentir. Ton transvida, quand on joue au football, dis papa, excuse-moi, mon transvida, quand on joue au football, mon papa, mon casse, gâteau, tiki, non, ma stébita, te mets lui. Un exemple, vous pouvez le dire, hein. Dis la vérité, confesse que tu ne fais rien. Arrête, je doute une cause de faire, je te dis, arrête de cacher des mensonges. Réjali, arrête de cause mentir. N'a pas cause mentir avec ton mari, n'a pas cause mentir. Si mon cause la vérité, parce qu'elle est pour battre moi. Mais dis pas pour la peine de venir te battre à cause de Jésus. Pasteur, mon père, on est qui va arriver, mon tuteur qui va arriver, cause la vérité. Pasteur, tu peux dire moi, allez, aïe. Toi, que ton mari, je dis, écoute, ça va être affaire où j'ai tort. Le roi ne se pas en colère, mais moi, tout le monde dit. Mon père, on vit comme si cause mentir. Tout ça, je suis là, moi, je suis à l'église. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité, par l'amour. Dis-lui la vérité, par l'amour. Est-ce qu'il va te jouer la main? Tu es ton mari, je l'aime, mais ça ne sait pas mieux, vous pouvez te casser. Tous les mois. Tiens-y! C'est ça qui dit tu fais avec 5000 roupies là? Bon, tu mets ça dans la gym, le prendre. Oh, bon Dieu, bénis ton travail, toute la main. Tiens-y! Je te dis gloire à Dieu. À nous continuer. Moi, je peux dire à nos causes mentir là. Nous pas pour causes mentir ici là. Nous pas pour à nos causes mentir ici là. Nous pour à nous continuer. Je te dis amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Nous guettons Matthieu chapitre verset 11. Bon, pour terminer de ce point là. Banane rentre dans la case. Quand je rentre dans la case. Quand on rentre dans la case, soulignez-moi la case. Quand on rentre dans la case, quand Sarah rentre dans la case, je trouve ses enfants là, c'est-à-dire Jésus avec Marie, je prosterne, je adore, soulignez-moi prosterner et adorer, et souligner le poulet, quand on a ouvert ce trésor, et je viens offrir l'eau, l'encens et le miel. Tu peux pas dire, s'il te plaît, en français? Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, et ouvrirent ensuite le trésor. Oui, quand elle a mon esprit, je dis, nous l'adoration, la parole, il y a une grande importance à jouer dans l'adoration. Ça, nous tous nous d'accord, nous finissons ça. D'ailleurs, ce que nous allons laisser, nous ne pouvons pas adorer, nous ne pouvons pas adorer.
Mais ce qui est intéressant ici, moi, je me demande bon Dieu, frère Hans, je me dis bon Dieu, comment est-ce qu'il va encore avoir un réseau? Qui a fait qu'il va avoir un réseau que de libérer Jésus? Et bon Dieu, comment c'est pour moi? Je ne rentre dans la case. Je ne rentre dans la case. C'est un moment que l'Église divine la maison. C'est un moment que l'Église divine chez nous. C'est un moment que l'Église divine home. C'est un moment que nous trouvons l'Église comme on va dire dans la case même ça. C'est un moment que nous pas trouver nous étrangers dans l'Église. Mais vous passez pour ouvrir notre réseau. Mais vous passez le continuer. Quand nous trouvons ça à terre, on va, parce qu'il y a la case, nous pouvons ramasser ça à terre nous-mêmes. Par exemple, nous mettons courant là-bas, nous mettons courant, nous mettons la lumière là. Nous la casse, à cause ça, nous pouvons obéir, nous faire des plus jolis. Nous la casse, à cause ça, nous pouvons tirer, nous sommes idiots, parce que nous la casse. Quand l'Église vient de la case, pour participer, pour pas pousser, pour contribuer, pour faire quoi que ce soit, parce que l'Église vient de la case. Numéro D. Dans la case, je trouve Jésus. Quand quelqu'un n'a pas trouvé Jésus-Christ dans l'Église, il n'est pas pour hésiter pour compter les généreusement. Quand on trouve Jésus-Christ dans la case, quand on trouve Jésus-Christ dans sa lieu que nous devons rencontrer, nous devons adorer, nous devons prier, on trouve tout ce qu'il nous devons faire dans Jésus là-dedans. Au réseau pour ouvrir par lui-même au Père Océan. Réliez sa phrase à moi, tu vis? Les enfants dans la maison, et le petit enfant avec Marie. Ça... Un petit moment, hein? Qui sont les gens qui ont été Benida? Sage. En anglais, c'est quoi? Wise men. Et wise men, ce n'est pas juste les gens sage d'hébreu. Ils ont été sages de papier, ça. Ils ont été title, wise men. Il y a beaucoup de choses pour moi, ça. Ce n'est pas les gens beaux, ce n'est pas les gens orientés, ce n'est pas les gens sans l'éducation, ça. Dans la société qui ont été à l'époque-là, ils ont été title, wise men. Frère! Degré après, je dirais tout certificat, tout degré qui visait pour déclarer aux autres wise men. Et ce pas ici, soit ils ont parole, leur papier. Et qui sont bien pour nous dire? It is always wisdom to travel and to come and worship God. Ben, voyage à longue distance, ils sont venus par deux bon Dieu. Beaucoup comme ils sont sortis, Saint-Julien, Verdun, différents endroits, ils sont venus les sûrs, c'est parce que ils sont venus par deux bon Dieu. C'est la sagesse, ça. Peu importe combien de distance ça a été, la sagesse c'est toi. Peu importe combien de distance ça a été, vous arrivez à l'eau, mon Dieu. Si demain, vous n'avez pas un avion, vous n'avez pas des pauvres. Si vous n'avez pas fréquenté, vous n'avez pas voyagé, fréquenté. Mais vous n'avez pas besoin de Jésus. Vous n'avez pas rencontré la présence de Dieu. Vous n'avez pas voyagé dans la présence de Dieu. Alors, c'est la sagesse ça. Quand mon Dieu ouvre la porte pour moi prêcher, Dubaï pour moi prêcher, Rodrigue, Madagascar, les autres pays qui vont Dieu ouvre la porte pour moi prêcher. C'est la sagesse ça. Même si vous êtes voyagé, voyagé et adorer sa parole de Dieu là. C'est la sagesse ça. De voyager par le pays pour rendre du monde à l'hôpital. Qu'est-ce que ça? Pas folie ça. Sagesse. Est-ce que vous voulez faire? Allons continuer. Je me suis posé terminer là. Je vais terminer un peu longuement. Je dis amen, amen. Ben là, ouvert. Rédigez ça par ça, qui sont ouverts? Et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la lumière. Si on a amène l'or de Jésus, est-ce que Jésus nous vient bisoutier? Bisouterie. Plutôt si on amène l'or de Jésus, est-ce que Jésus nous vient bisouterie? Est-ce que Jésus fait l'eau business law? Est-ce que Jésus prend l'eau dans le SBM? Ministère Jésus, une basée, largement aussi la contribution qui va nous amener pour l'école sur l'Église avant. Moi, j'ai une phrase, moi, je vous dis ça, t'allais là. Sorry, non, ça, t'allais l'Église, pour lui, je vous dis ça, t'allais là. Beaucoup parmi nous, pour les moteurs, nous, là. Beaucoup parmi nous, nous disons, nous mettons du problème comme ça, quand il fait Jésus. D'accord, mais d'accord. Nous mettons du problème quand il fait Jésus. C'est-à-dire quand il fait Jésus, comment est-ce qu'on mette quand il fait Jésus comme ça, là? Cancer, timide. Problème foyer, diabète, la santé, tracas. Quand tu veux conduire Jésus, tu as des problèmes quand tu veux Jésus. D'accord, mais d'accord, parce que tu veux des problèmes quand tu veux Jésus. Vous savez comment vous dire. Sinon, nous n'avons tout payé, ne pas hésiter pour mettre des problèmes quand tu veux Jésus. Est-ce qu'il est besoin difficile pour mettre l'offrande dans la main de Jésus? Est-ce qu'il est besoin difficile pour mettre la vie
pour faire confiance pour mon avenir, pour mettre mon avenir de cela, mais ou bien vous êtes celui qui vous met tout mon problème, tout mon calice cassé en toute solidité. Non, mon frère, monsieur. Si nous trouvons ce lit, si nous trouvons ce lit qui est worthy for our problems, we need to see his hands worthy for our offering. Et c'est le vrai. Si nous trouvons ce lit approprié, nous trouvons ce lit digne pour ramasser nos problèmes, nous avons besoin trouver sur la main digne pour recevoir mon offrande. Est-ce qu'il veut déjà la main? Alors, je m'obsède terminer parce qu'on va prêcher l'église pour lui. Nous vous comptons la semaine prochaine. Sorry, il y a un verset qui dit encore là. Montre-moi ce verset pour te dire lève-toi, allez là-bas jusqu'à ce qu'il m'envoie une parole pour dire toi. Voilà. Reste là-bas jusqu'à ce qu'il m'envoie une parole. Nous vous terminons ce verset 13. Toujours parole là. Bon Dieu dit à Joseph et retirez ces enfants-là pour prier. Prends ces enfants-là, allez là-bas. Reste là-bas même jusqu'à ce qu'il m'envoie une parole. Ça veut dire que tant que tu n'as pas une parole, tu n'as pas bougé depuis là-bas. Enfin, nous sommes tous les gens qui sont sur la case. Tous les gens qui sont restés. Tous les gens qui sont restés ces affaires. Tous les gens qui sont restés ces affaires. Avant de prier, enseigner, demander une parole. Tous les gens qui mettez la paix dans mon équipe, comment c'est ça là-bas. Mettez la paix dans mon équipe, comment c'est ça là-bas. Qu'une université de Bizanlé. Tous les gens qui sont restés de Masters. Tous les gens qui sont restés de Moriaz. Donc, il y a la salle de Bizanlé de Moriaz. Mais j'ai le choix, vous savez, plusieurs le tellement pour mon voyage, moi et pour madame. Nous n'avons pas le temps de nous prier, nous passer dans la paix dans nos lesquels les trois places, et mon Dieu, que nous ici même, mon Dieu, que nous dans notre propre pour la paix. La paix ici, mon Dieu, servit pour que nous et nous le connaissons, nous envoyons Christophe Mitch. Mon Dieu, j'ai dit à là-bas, il n'allait pas parole, mon Dieu. Mon Dieu, j'ai dit sorti de là-bas, mais sorti pas parole, mon Dieu. Nous n'avons pas sorti de tout travail à cause de nos problèmes. Sorti de tout travail parce que mon Dieu n'était pas là. Beaucoup de gens qui travaillent parce qu'il y a un problème. Vous n'avez pas de problème pour moi qui font travail. Peut-être mon Dieu nous en moi. Elle a m'occupé. Elle a m'occupé, m'occupé la solution, m'occupé la solution qui disait Amen, Amen, l'église. Je bénis la parole de Dieu. Amen. Je bénis Dieu de la grâce de Dieu avec Dieu.